voilà, le vit très bien. Жан-Поль, по вашим кроссовкам видно, что это не ваши, да, вы говорите, что марки ваши. Vous voyez, bah oui, il y a marqué Y3 là, c'est la triche, c'est l'écriture. Y, c'est le J. Ouais, voilà. Alors voilà, je vous montre la silhouette. Vous voyez le pantalon là, je suis un petit peu russe comme ça. Et celui qui est d'une autre couleur à l'intérieur. Ce n'est pas moi, mais c'est très joli et j'ai chaud avec, je me sens très bien dedans. Если ваш молодой человек носит тельняшку и юбку, скажите, все нормально. Я просто понял, да, давайте дадим мне женщине. Exactement. Просто так. Здравствуйте. Московский комсомолец. Я вчера была на премьере фильма о вас и о том, как готовилось это шоу. Вам не понравилось? И вот интересно, почему вы пригласили в готовить это шоу человека, который уже 7 лет не работал, с которым вы когда-то сотрудничали, Мирей? Что она вам давала? И еще... И еще один вопрос. Можно еще, да? Parce qu'elle est indispensable pour moi, c'est une main, si vous voulez, vous savez, j'ai fait de la mode sans faire d'école. J'ai vu un film, Palpala, qui montrait une maison de couture des années 40, où il y avait Micheline Frey, qui était donc là, la muse inspiratrice de couturier, et il y avait des mains comme des fées magiciennes qui faisaient des merveilles avec les vêtements. Et j'ai retrouvé en Mireille ces mains extraordinaires d'une autre époque, qui savent faire les choses avec la tradition et d'une façon donnant sa technicité pour faire les quelquefois les créations les plus, peut-être, les plus étranges et jamais peur et les faisant à fond et les faisant merveilleusement bien. Donc je voulais à tout prix qu'elle soit aussi dans le Fashion Street Show. Évidemment qu'elle me fasse aussi des créations parce qu'il y a aussi des créations. Il y a certains vêtements qui sont des vêtements d'archives, des anciens vêtements que j'ai faits, mais il y a aussi des nouveautés, des nouvelles créations. Et je crois qu'elle s'en est donnée à cœur joie et pour moi c'était... Vous savez, c'est comme quand on est, comment, dans un... J'imagine, parce que je suis pas du tout... je fais pas du tout de tennis, mais jouer avec un... On joue soi-même bien du tennis et qu'on joue avec quelqu'un qui joue très très bien aussi, c'est merveilleux parce que les voix, les balles sont... C'est vraiment jouissif. Hein. Travailler avec les règles, c'est un petit peu ça. И еще по этому же фильму. Вы там смешную вещь говорите. Вы спрашиваете парня, украинец? Нет, француз. Странно. Во Франции совсем не осталось интересных мужчин. Вы можете как-то рассказать, почему? Не помнит он этот эпизод. Он не помнит. Скажите, а это точно тот фильм, да? J'ai pas tout en tête le film par cœur, donc ça a été des moments spontanés, donc je ne me souviens plus de... Il n'y a plus vraiment d'hommes intéressants maintenant en France. Intéressant. Jean-Paul, если вспомните, потом ответите. C'est possible, hein, on est... Si, c'est intéressant... Здравствуйте. Вот уже много говорилось о влиянии различных культур на ваше творчество. Интересно, повлияла ли каким-то образом белорусская культура и белорусы как народ вот, на вас, на ваше творчество? Представьтесь, пожалуйста. Да, Евгения Заболоцкая, парламентская газета «Союзная вещь», газета российско-белорусская. Издательский дом «Комсомольский». Alors, je ne suis pas aussi spécialisé dans comment les différentes ethnies qui vivent
divise la, enfin, qui divise, qui sépare la, la Russie, donc je ne connais pas toutes les subtilités. J'y viendrai si je reviens beaucoup de fois, je crois que je deviendrai de plus en plus capable. Biélorussie, je connais le nom de par, je sais bien sûr que ça existe, mais surtout par l'Eurovision, le Grand Prix de l'Eurovision de la chanson. Donc, 12 points peut-être pour la Biélorussie. Et c'est tout ce que je peux dire pour ça, je pourrais dire après en me renseignant un petit peu plus. Mais c'est certain que, par ce que j'ai vu globalement de la culture russe, on va dire, c'est un peu globalisé. Mais il y a sûrement des choses qui m'ont influencé et qui viennent à la base de la Biélorussie. Спасибо, ждем в этом году тоже 12 баллов от Беларуси себе на Украине. Я toujours, c'est vrai, hein. Et vous votez entre vous là, vous trichez, hein. Я хотел спросить. Mais ce que je dois dire, excusez-moi, par rapport à l'Eurovision, parce que c'est un sujet quand même intéressant et qui me passionne, je regarde depuis que je suis tout petit l'Eurovision, je dois dire que c'est grâce à justement des pays comme les vôtres qui ont cette énergie de pouvoir créer maintenant. Parce que peut-être par fatigue, quand on devient des vieux peuples qui ont été à la base, comme la France, comme l'Angleterre, comme la Suède encore, ils sont encore assez gaillards. Mais, donc tous ces pays différents, tous ces pays de base, peut-être ont perdu un peu de leur jouvence et de leur énergie créative. Et du coup, vous qui arrivez plus tard, comme l'Australie d'ailleurs, qui arrivait plus tard dans l'Eurovision, dans le Grand Prix de l'Eurovision, vous donnez une énergie, une créativité qui fait que ça continue à vivre et que c'est de plus en plus intéressant à nouveau. Я тогда сразу спрошу, российского участника готовы подготовить к Евровидению сценический образ он придумал? Сейчас договорюсь. Tout à fait, avec un grand plaisir. Et je promets, je ne chanterai pas, en tous les cas. Ça, c'est beaucoup mieux, ça. Là, vous avez aucune chance si je me mettais à chanter moi-même. Да, коллеги, переключите, пожалуйста, канал и Жан-Поль, повторите, пожалуйста. Ah oui, j'ai dit, oui, bien sûr, j'adorerais ça, parce qu'en effet, justement, il y a tellement de la créativité, des mises en scène absolument incroyables et merveilleuses que c'est très excitant et j'adorerais participer à cela à la fois, même à l'espèce de petite mise en scène et tout, tout à fait. Mais, et je promets, je ne chanterai pas, parce que je chante très mal, donc moi, par contre, je ne représenterai jamais. Да когда я до кого останавливал? Мы в районе, да? А третий, пожалуйста, на очередь утянет трубку. Здравствуйте, Станислав Новосев, меня зовут, представляете, я канал МСТВ. Два коротких вопроса. После ухода из своего модного дома планируете вы работу с западными артистами в качестве дизайнера, если да, то с кем? И второй вопрос, кого из российских артистов вы знаете, и кому из них хотели бы создать особенный наряд? Возможно, такое имеется. Спасибо. Des projets de collaboration, j'en ai et tout, et ça m'intéresse fortement. Même travailler, peut-être, je ne crois pas, sur des costumes pour des films russes, j'adore les metteurs en scène russes. Donc il y en a un, je ne sais pas si Mikhail Albanidi pour dire le titre du film, il y a un film que je trouvais époustouflant et tout, où c'est tout un plan fixe, un film en noir et blanc. Je crois, c'est difficile le métier de Dieu. Oui. Oui, il est difficile d'être Dieu. C'est absolument extraordinaire. C'est assez époustouflant, pas du créatif. Et j'ai une admiration énorme sur. Donc évidemment, j'adorerais collaborer à plein de choses différentes, que ce soit mode même ou pas mode. Et puis, oui, le spectacle. Par rapport aux musiciens, habillés des musiciens. Oui, ah oui, si je connais. Il y en a une d'ailleurs dont j'ai fait connaissance, là, c'est Olga Buzva. Voilà. Il y a des personnes, je sais, pareil, qui l'aiment et d'autres qui l'aiment moins, mais c'est ça qui est bien quand même, c'est qu'on a des positions claires, qu'on a fait des propositions pour les acheter à nous. Là, je crois qu'on voit, oui. Non, parce que je suis attiré par les images, comme toujours, mais je vois là une collection, c'est de la collection russe. Dans ce stylisme russe, là, il y a des photos, c'est comme une espèce de robe en cuir, et les lettres russes en cyrillique sont écrites sur le côté. Donc, oui, comment ça m'amuserait fort. Vous voyez ce que j'aime, si vous voulez, cette espèce d'enthousiasme que je ressens dans à la fois les acteurs, les créateurs russes. Et donc, évidemment,
que ça contamine, quoi. Le fait de travailler avec des personnes comme ça aussi passionnées, et bien c'est passionnant. Видео японцев, кто относительно Евровидения в этом году. Давайте, да, я новости да. Уже нет? Есть вопрос? Да, пожалуйста. Pourquoi ça se fait? Non. Почему это шутка? Parce que comment ça se passe? Le public russe vote pour qui va représenter ou non, choisi par la chaîne de télévision. Я специально еду в Беларусь, чтобы проголосовать за Ольгу. Да, пожалуйста. Вот мы уже, в принципе, спросили, вы объявили о завершении, что очень будете делать шоу. А чем вы планируете заняться? Ну, не костюмы артиста. Чем вы собираетесь заниматься? Вы молодой, энергичный. И как вы вообще любите отдыхать? Ну, чем занимаетесь, кроме моды? Ou dans l'eau, mais je pense tout le temps à des nouvelles choses, à des idées. Ce que je regarde, et en voyant, et bien ça me donne des idées. Donc si vous voulez, c'est une espèce de mécanisme, comment, à la fois visuel et, on va dire, créatif, qui est en marche tout le temps. Je m'ennuierais fortement si je ne faisais rien. Vous savez, à un moment, quelquefois, alors une chose qui m'amuse, enfin, qui me désespère, je dirais plutôt, c'est qu'en ce moment, en France, il y a eu une manifestation des élèves, des lycéens, pour la retraite, pour leur retraite. Alors qu'ils ne travaillent pas, déjà, ils savent, on ne sait pas s'ils vont travailler par la suite, ils pensent déjà à la retraite. C'est une mentalité que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Donc si vous voulez, moi je sais que j'ai toujours su que même si un jour je devais m'arrêter, ben, je peux toujours dessiner pour moi, j'aurai toujours quelque chose à faire. Mais quelque chose de plus actif, je préfère quand même, avec des contacts et qui fait faire des nouvelles aventures. J'adore l'idée de nouvelles aventures à chaque fois. Je ne sais pas, c'est une espèce de source de vie et d'énergie. Voilà, des petits changements. Et puis j'ai le Fashion Freak Show maintenant. On va quand même voyager avec le Fashion Freak Show. Donc ça, c'est un très beau projet que je veux qui grandisse et voilà, et qu'il s'élargisse. Да, получается вопрос, вот сразу вдогонку вопрос Сири по поводу шоу после России. Какие страны увидят ты еще в вашем шоу? Alors ce que je peux vous dire dès maintenant, c'est que le show va reprendre en janvier l'année prochaine, en janvier 2021 en Allemagne. Il y a une longue série, Berlin, plusieurs villes, après ensuite en Autriche. Au Japon, on va en Chine, en Corée. Il y a une production américaine qui est en train de se créer, donc ça sera une production totalement montée, castée, créée là-bas, qui sera bien sûr un Fashion Freak Show, mais pour les Américains. Il y a également une production qui va se monter à Madrid, donc à partir de l'automne prochain, on va en part caster ensemble les personnalités espagnoles qui seront dans ce show, la première sera en novembre 2020. Donc en effet, Jean-Paul travaille tout le temps, et je peux le confirmer, il n'y a pas un jour où on n'a pas des échanges, où il n'y a pas de la création, encore une fois, dans sa tête, et des nouvelles idées qui arrivent, donc il y a beaucoup de travail pour les 5-7 ans à venir, je pense. Спасибо большое. Да, давайте вот дадим третий ряд. Да. Дмитрий Новославская, журнал «Народное образование». Господин Россье, вас уже сейчас называют великим реформатором моды. Но когда вы начинали в конце 70-х, вот вы сами только что сказали, что вы не предполагали, как вы повлияете на мир. Вы просто творили в соответствии со своим вкусом, со своими взглядами. Но вот прошло 40 лет. И мы видим, что вы повлияли не только на моду, но и на мировоззрение людей, на внутреннюю свободу, на освобождение от каких-то оков. Если бы у вас сейчас была возможность повлиять не только на мир моды, но на мир вообще, какие бы несовершенства мира вы исправили? Вдруг через 40 лет мир станет таким, каким вы сейчас нам расскажете. Спасибо большое. Спасибо. Час пошел. Je ne sais pas si je suis capable de voir d'ici 40 ans. Ce que je peux dire, c'est qu'au moment présent, en fin de compte, je vais vous dire, quand on dit la mode du futur, c'est impossible à savoir parce qu'il y a tellement de choses. Parce que la mode est tellement... c'est mode de vie, en fin de compte, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est le reflet de la société. Donc c'est plutôt le reflet de la société qui est là. On peut penser, imaginer ce qui va peut-être être
dans 20 ans, 30 ans, et encore, je ne sais même pas si on peut dire des dates. Il y a des films déjà, des films qui ont eu lieu il y a 10 ans et qui montrent un peu ce qui se passe en ce moment. Une espèce de chaos comme ça et tout, qui est déjà montré dans certains films, qui étaient des films de fiction, de science-fiction, et qui, quelquefois, c'est complètement à côté, ça se passe pas du tout comme ça, quelquefois, il y a un petit peu de ça. Donc moi, pour moi, c'est très difficile. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que moi, si vous voulez, mon fait d'arrêter justement la mode, en faisant des collections, et ma dernière collection est une collection sur le recyclage. Ça veut dire que je crois qu'on a un petit peu trop de tout. Je dis ça pas d'une façon négative, mais c'est simplement un constat. C'est pas, je ne juge pas, je constate simplement. On a tellement beaucoup d'informations, beaucoup de vêtements. Il y a tellement de vêtements, il y a plus de vêtements que de vêtements pour les porter. Il y a même certaines marques qui brûlent ces vêtements. Donc, moi, il se trouve que j'ai déjà fait du recyclage dès mes premières collections. Parce que comme j'ai commencé sans argent, j'ai commencé sans moyens, donc j'ai fait avec des choses qui existaient déjà, que j'ai transformées, que j'ai mélangées, que j'ai renouvelées, en quelque sorte, recréées, mais en prenant des éléments, en me servant peut-être quelquefois de la matière des treillis militaires, de la matière des vieux jeans et tout, j'en ai fait autre chose. Déjà dès mes premières collections. Donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude. Là, ma dernière collection, elle, c'est comment recyclage de la couture. Des choses que j'ai fait en couture de broderie ancienne, que j'ai retransformées pour en faire des choses nouvelles. J'aime bien ce procédé-là. Vous savez, dans ma famille, on me racontait des histoires de pendant la guerre où ma mère prenait le pantalon de mon père, et qui était un peu usagé, et elle s'en faisait une jupe. Et j'aime beaucoup cette idée avec quelquefois des choses très, très normales et tout, d'en faire autre chose, recréer. Un peu comme on fait quelquefois avec les maisons, on restaure la maison, on arrange la maison. J'aime bien ce côté de vie qui continue comme ça. Donc j'adore l'idée de recyclage. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais disons que pour l'instant, je pense que c'est un moment où le recyclage que j'ai pratiqué dès mes premières collections, ben je crois qu'il est encore très juste dans un sens, et je me dis, ben en fin de compte, j'étais dans un peu un air du temps qui commençait sûrement déjà. Vous savez, je crois que quand on fait des choses qui sont justes, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, ça c'est difficile à dire, mais disons qu'ils paraissent encore continuer, c'est parce qu'en fin de compte, on n'est pas des prophètes, on n'est pas des vrais créateurs, on est simplement des gens qui sentent peut-être des choses qui se passent, comme tout le monde à l'écoute. Pareil dans la nourriture, les cuisiniers qui font des choses qu'on a envie de manger à cette période-là et tout, et qui vont avec l'évolution des choses, l'évolution de la vie. On est simplement le reflet de la vie. Alors voilà, si je tombe dans être un peu le reflet de la vie, c'est ce qu'on est censé tous être. On est des caméléons à la base, tous. Et donc, la question, c'était... J'aime bien la corriger, moi je suis très content du monde, si c'est ça la question, je suis très content avec le monde qui m'entoure, et même s'il y a des choses, et ben, voilà, des choses négatives qui nous font peut-être apprécier, qu'on peut apprécier le positif par rapport au négatif, voilà ce que je dirais. C'est que de chaque chose, même des choses négatives, il y a une solution dont on peut tirer, il y a une espèce de renaissance qui peut se faire par rapport au négatif. Donc pour moi, je trouve que voilà ce qui se passe, on n'a rien à y voir, enfin ce n'est pas nous qui faisons le monde, donc il faut apprécier le monde et regarder le monde avec ce qu'il a de plus beau et ce qui nous convient le plus. En général, le verre à moitié plein. Voilà. Здравствуйте, меня зовут Мария, я дизайнер и основатель марки. И у меня такой вопрос немножко про процесс. Вы из Франции, и меня очень интересует, любите ли вы вино? И если да, то повлияло ли оно как-то на ваше творчество? Есть ли у вас дома винный погреб?
Bah absolument pas, j'en vois très peu. Alors, pendant une période, ça a été vraiment les jus d'orange pressés, c'est ça la chose la plus, qui m'a plu en fait plus, on va dire. Le vin, peut-être les grappes de raisin, le vin lui-même, ceci dit, ça peut désinhiber, quelquefois, quand on en prend certaines doses, donc ça peut être quelque chose de positif, peut-être. Comment ? J'aime bien le vodka, j'aime bien le gin tonic, qu'est-ce que j'aime bien d'autre ? Campari. Surtout pour le nom. Donc, oui, je ne crois pas que... Si vous voulez, il y a des choses françaises qui vont influencer, c'est là vraiment votre question. Mais des choses françaises, c'est certain, parce qu'on est tous éduqués comme vous, dans vos créations, vous avez été, alimenté de votre éducation russe. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui sortent et qui font qu'on est structuré à la fois mentalement, mais on a des libertés qui nous permettent d'aller et on reçoit et on a des contacts journellement qui nous permettent d'évoluer nous-mêmes par rapport à ça. Mais donc, le patrimoine français, c'est vrai, m'a toujours influencé. Les films anciens que j'ai vus étant petit, toutes ces choses-là m'ont influencé. Mais aussi des réactions par rapport aussi. Quelquefois c'est bien, quelquefois des choses qu'on aime un peu moins et qui du coup vous font voir autre chose. Je sais que par exemple, quand j'ai commencé dans la mode, j'ai été plus influencé par l'Angleterre, je crois, et par Londres, où il y avait beaucoup plus des mouvements de révolte de la jeunesse avec les punks et tout. Et ça je disais, oui à Paris ils sont chiants, à vouloir toujours être chic et voilà. Le fric c'était pas chic à l'époque. Хороший тост. Спасибо большое за вопрос. Жан-Поль, я хотел спросить по поводу шоу именно завтрашнего формата. Насколько я знаю, вы будете присутствовать завтра на шоу. Какое ваше участие? Вы принимаете участие на сцене, сидите в зале, руководите за кулисами. Пожалуйста. И вторая часть вопроса. Насколько я знаю, есть видеоряд, песни, танцы, но есть и интерактивная часть, когда зрители приглашают на сцену. Расскажите, пожалуйста, более подробно об этой части. Alors déjà, première question, je serai à la fois dans la salle à regarder, en backstage à vérifier, sur scène représenté visuellement, et par une vidéo, et sur scène pour saluer. Donc, voilà, je vais à la fois tout voir tout. Et c'est très bien, parce qu'au moins j'aurai la vision, une vision presque globale, pas tout au même moment, mais à chaque fois. Et en plus, la deuxième question, c'est la partie interactive. Oui, il y a une partie où, en effet, et alors, je ne peux peut-être pas le révéler exactement, il y a une participation qui s'opère, et qui se trouve... C'était assez drôle parce que ça s'est passé d'une façon comme jamais ça s'est passé à Paris. Et c'était assez amusant. On a eu une surprise assez grosse, la réaction du public, ce qui montre qu'il est absolument un public unique et assez extraordinaire, quoi, dans l'espèce de spontanéité et d'enthousiasme. Je ne le dis pas plus, on verra si ça se passera aussi à Moscou. Отлично, еще больше заинтриговали. Я поздравляю тех, кто купил билеты в первый ряд, возможно, будете смотреть шоу с самим Жан-Полем Готье. Да, коллеги, давайте вот девушке выслушаем, дадим вопрос. Bonjour Jean-Paul, merci pour être venu. Ничего, что я на французском. On va juste vite. C'est une migration, je vous en здоровье. Je sais que c'est déjà votre 5e fois en Russie. Et est-ce que vous avez déjà remarqué les différences entre les styles de française avec celui de russe, de femme russe? Je crois que peut-être il y a une différence qu'on pourrait voir les premières fois. Que je suis venu, mais je dois dire que maintenant la mode est quand même en général internationale, et je dois dire qu'il y a des personnages qu'on ne peut voir qu'en Russie, ici, et tant mieux, et c'est ça qui est formidable. Et puis il y a aussi des personnes qui sont totalement avec différents styles. Il n'y a qu'à regarder même les personnes qui sont ici, j'ai un éventail quand même de différents looks et tout, mais qui peut être international, et en même temps, si on regarde bien, peut-être n'être que russe, de par, si on sait d'où vient la personne, etc., on peut se dire, et en fin de compte, ça explique ça et tout.
Donc c'est bien, je crois que c'est très bien, puisqu'il y a une évolution, donc on va dire, plus mode, mais tout en gardant quand même avec quelque chose, déjà à la base quand même une beauté du peuple russe, qui est quand même notoire, une beauté physique. On ne parle pas de la beauté morale, qui est aussi là, et une beauté physique qui est là. Donc ça, déjà, c'est quelque chose que certains pays n'ont pas. Коллеги, хочу сразу обратить внимание, да, сказать спасибо коллеге, который подготовился к пресс-конференции, выучил французский язык, конечно. Да, и, конечно, за те дняшки также бы, спасибо вам большое. Коллеги, я хотел бы задать вопрос, у нас сегодня также еще в гостях присутствуют представители официального билетного оператора Fashion Freak Show, директора Алло Шоу Анна Михайлова. Я хотел бы, кстати, слово рассказать более подробно о билетной программе, которая ждет москвичей, гостей столицы, потому что это тоже очень важная информация. Здравствуйте, друзья! На нашем сайте alloshow.ru вы можете приобрести билеты. Площадка, на которой мы проводим шоу, это Московский дворец молодежи. С 6 по 16 февраля мы вас там ждем. Выходные будут проходить по два мероприятия. Вы знаете, от себя хочу сказать, мы это шоу посмотрели в Санкт-Петербурге. И вот, друзья, я очень-очень сильно вам рекомендую, потому что это такое, это частичка Жан-Поля, его чувства, его эмоции, она остается с вами надолго, и надолго выходите еще с этим великолепным послевкусием, это даже не передать. И слезы, и радость, и костюмы, и музыка, это что-то неописуемое, которого никогда не было у нас в России. Спасибо вам огромное, Жан-Поль. Спасибо вам большое. Истинный директор билетного оператора. Спасибо большое, продали мероприятие. По поводу частички Жан-Поля Готье. По поводу частички Жан-Поля Готье. Пятый раз у нас в стране. Тем не менее, каждый раз скучаем, ожидаем. И хотели бы, конечно, чтобы частичка Жан-Поля была всегда с нами. Поэтому в завершении мероприятия. Хотели бы небольшой сюрприз, ну и, конечно, не просто сюрприз, но и честь для нас, для России. У нас есть, как в Голливуде, аллея славы. Аллея славы Легаси, на которой есть уже... Просим вас сделать подпись, оставить на звезде, которую потом посетители могут увидеть. Садитесь! Коллеги, сейчас Жан-Поль распишется, встанет и покажет, естественно, именную звезду. Можно камеру подать? Игорь Морг. Ничем. Да, я думаю, что ничего не вижу. Покажите, пожалуйста. Сядьте, господи. Сядьте, господи. Сядьте в жилете, Зеленок, давай. Сюда, сюда. On peut plus haut, monsieur. On peut plus haut. Коллеги, фотограф, да, просьба пояснить, чтобы оператор тоже мог заснять. Жан-Поль Готье будет, среди прочих, можно, в принципе, да, перевести Жан-Полю, что Моника Белуччи, Винсент Кансель, Пласида Доминго, Бон Джови, Стинг, Оззи Осборн. Многие звезды, многие ожидают, а вот такая честь вам, я лично жду уже лет 15, да, свою звезду. Спасибо большое. Коллеги, мы завершаем наше мероприятие. Спасибо вам большое. Давайте еще раз поаплодируем. Мы с этим вместе.